Salut à toutes et tous. Merci d'être là, merci d'être fidèles à cette antenne. On va encore suivre une nouvelle rencontre aujourd'hui. Avec vous au micro, Hervé Matou. Je vais vous commenter cette rencontre particulièrement attendue. Les spectateurs sont chauds bouillants. Il y a des points à prendre, de la motivation. On devrait se régaler. On espère bien sûr assister. Le gardien qui repousse. C'était une occasion nette, mais le danger est écarté. Oh, le ballon qui passe juste au-dessus. Quel dommage, c'était joué assez finement. Serge Gnabry. Hollande. Et bien l'intervention, changement de possession. Fofana. C'est donné en profondeur. Et le ballon piqué, oui. Oh, ça passe au-dessus. Ça passe juste au-dessus, dommage. Geste technique difficile, mais qui était pas loin d'être parfaitement accompli. Ouais, bien muselé par le défenseur. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ouais, non, cette action qui s'arrête. Et ce ballon qui est perdu. Attention, si ça rentre. Il était en bonne position, mais à l'arrivée, c'est une sortie de but. Ce sera une touche. Angel Correa. Oula, ça n'ira pas plus loin. Wilfried Zaha. Ah oui, c'est bien fait ça. Il tente un petit ballon piqué. Oh, ça va passer juste au-dessus. Oh, c'est toujours difficile hein, de trouver le bon dosage avec ces ballons piqués. Là, c'était pas mal joué. Ouais, l'arbitre qui laisse l'avantage, c'est bien vu. Oh, il a bien esquivé le tacle avec ce petit saut. Llorente. Et le but ! Le premier but dans cette partie. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. L'action qui se poursuit. La frappe surpuissante et le but. Oh, magnifique. Et ils égalisent donc un but partout. Le ballon sort, ça va être une touche. Oh, ils vont plus le revoir, ils vont plus le revoir. Ils sont aux abois, les défenseurs. Allez, le centre peut-être dans l'axe. Ah, il donne le tourné aux défenseurs, il leur fait tout là. Il cherche une solution. Attention à la balle piquée. Oh, juste au-dessus, c'était finement joué ce petit ballon piqué. Oh, attention, s'il perd ce ballon. Kevin Babou. Serge Gnabry. Ah, le bon tacle, ce sera une touche. Attention, le tacle dans une zone dangereuse. Il y a une place là pour une contre-attaque.
Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. L'occasion de prendre l'avantage. Anderson qui repousse, ça joue. La défense a eu chaud, c'était une belle occasion. Non, ils n'iront pas plus loin sur cette action. Il frappe. La frappe, elle est bien partie cette balle, mais c'est trop haut. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Dans la surface, Erling Haaland. Super bien défendu, mais le danger qui est toujours là. Ça peut être dangereux là, s'il lance la contre-attaque. Oh, le public qui... Il va y aller. Oh, quel but! Oh, quel but! Incroyable! Quel geste magnifique! Il va faire le tour du monde! Le but qui reprend. Les Invincibles qui mènent dans ce match. Bonne lecture du joueur, du défenseur, bonne interception. On s'approche du but. Ouais, il a le temps de centrer. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Un ballon récupéré. Ah, il était un petit peu sous-dosé là, ce lob. Ah, il fallait tacler, bien joué. Allez, il continue. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Allez, il peut y aller. Et l'arrêt du gardien. Ah, il est bien tiré le corner là. Bien joué le gardien qui sait à quel point c'est compliqué de s'imposer sur ces ballons. Attention parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Et une balle d'égalisation. Et le but, ils reviennent à la marque. La mi-temps sifflé à l'instant par l'arbitre. Il y a eu le début. Il reste du suspense avec ce 2-2 à la pause. Début à l'instant de la seconde période. Et on retrouve Johan Cruyff, bien sûr. Il gagne du terrain. Il tente un petit ballon piqué. Et ça fait 3! 3 buts à son compteur personnel. Quel match énorme. Le jeu qui a repris. Et ce sont donc les Invincibles qui mènent. Oh, que c'est bien donné ça. Et le ballon piqué, oui. Ederson, oh le bel arrêt. Magnifique claquette du Brésilien. Il choisit la frappe. Ouais, l'arrêt du gardien, sans souci. Une frappe lointaine, on sait jamais. Hors-jeu, c'est clair. On n'a même pas besoin du ralenti. Ouais, il a bien vu qu'il fallait aller le chercher, hein, ce ballon. Oh, il est passé. Ouais, pas de danger là pour la défense.
La trajectoire a été bien jugée dès le début. Oh, attention, s'il perd ce ballon. Eder Militao. Ah, c'est perdu, ça par Eder Militao. Encore bien pour égaliser peut-être. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Corner dégagé par la défense. Attention, il a du champ devant lui. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Le mauvais tacle et l'arbitre qui laisse jouer. Ça n'a pas profité, on revient à la faute. Serge Gnabry qui a de l'espace devant lui. Ah, il touche, très bonne intervention défensive. Il va pouvoir centrer. Ah, il gagne la possession. L'arbitre qui a signalé un hors-jeu. C'est un retour de position de hors-jeu, hein, pour être précis. Ballon qui a été donné un petit peu trop tôt. Ouais, c'est joué par-dessus. Attention, le danger! Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Un ballon perdu par Marco Reus. Et la voilà, la frappe. Oh, le gardien qui a eu chaud là, sauvé par sa transversale. Oh, il s'échappe tout seul, balle au pied. Il a été parfait, Ederson, là, sur ce 1 contre 1. Ah, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. C'est un ballon qui sort en sortie de but. Serge Gnabry. Attention, ça peut être dangereux. Serge Gnabry. Oh, c'est un but. Ils reviennent à la marque. Et c'est encore un retour au score, une nouvelle égalité. Allez, il tente la petite passe aérienne. Ouais, la bonne intention. Oh, juste au-dessus, juste au-dessus. C'était finement joué, ce petit ballon piqué. Il est dépossédé du ballon. Ouais, touche suite à cette déviation. Un ballon qui sort en touche. Bonne interception. Le pressing pour mettre le porteur en difficulté. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Oh, la faute, et il y avait danger. Et l'arbitre, logiquement, va sortir un carton. La faute, attention là au jaune avec ce tacle un peu limite. Ouais, il a gagné son duel, attention. Allez, dans la surface, il y a du monde. Ah, le gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. Les supporters des deux équipes qui donnent de la voix, ils ont raison parce que c'est maintenant que ça se joue. Hein. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Ouais, il est venu le fixer et s'en débarrasser avec ce dribble. Oh, quel arrêt! Quel arrêt! C'est un des tournants du match, ça! Fallait pas se rater. À ce moment du match, ça aurait été très dur de revenir. Il touche pas beaucoup de ballons devant, alors il décroche.
Et ils attaquent et il peut faire peut-être basculer le match. Et le but! Oh, le match qui vient peut-être de basculer! Alors, on voit cette frappe en pivot. C'est très bien fait, hein. C'est très difficile. Bravo. Ah, les spectateurs qui sont gâtés, hein. 4 à 3. L'attaque de la dernière chance pour égaliser. C'est bien dégagé par Marquinhos sur ce centre. Attention, la contre-attaque. Attention parce que la contre-attaque se poursuit. Oh, l'arrêt! L'arrêt qui évite le pire. Deux buts d'écart, ça aurait fait beaucoup. Et cet arrêt laisse des chances d'égalisation. Hollande. Et la touche. On a vu le ballon a été dévié. David Carrasco. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Allez, deux minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Wilfried Zaha. Attention, il peut tuer le match sur ce coup. Et le gardien qui écarte le danger. La fin de la rencontre, sifflé à l'instant. Et une bien de mauvaise opération pour cette équipe qui s'incline à domicile. Ah, c'est cruel, hein. C'est cruel comme défaite. Mais cette équipe doit apprendre de cela, apprendre à ne pas se relâcher dans les derniers instants.